Salut à toutes et à tous et bienvenue sur Angle Formation. Sur cette vidéo, je vous montrerai comment connecter un casque Bluetooth à votre ordinateur. Donc, le casque que je suis en train d'utiliser, c'est un X2 Plug and Play. Et aussi, je suis en train d'utiliser un ordinateur doté d'un système d'exploitation Windows 10. La manipulation est très simple, soit que vous utilisez Cortana ou bien la loupe, vous tapez que Bluetooth. Donc, il suffit seulement que vous tapez les trois lettres. Donc BLO, et vous aurez la liste des suggestions des paramètres. Vous cliquez sur Bluetooth et autres paramètres d'appareil. Donc dès que vous cliquez là-dessus, donc vous aurez une fenêtre de paramètres Bluetooth qui va y apparaître. Donc la première étape, ou bien dans un premier temps, il suffit seulement que vous activez tout d'abord le Bluetooth. Comme vous voyez, donc j'ai l'indicateur activé et après je vais cliquer sur ajouter un appareil Bluetooth ou autre appareil. Je clique là-dessus et je sélectionne Bluetooth. Donc ça me permet d'ajouter plusieurs types de périphériques. Et ici, il me liste les périphériques Bluetooth disponibles. Je clique sur mon casque. Vu que c'est un casque plug and play, il va se connecter automatiquement. Donc je n'aurai pas besoin de faire des codes, etc. Donc après, comme vous voyez, donc il connecte mon casque, il lui insigne les fonctionnalités qu'il peut utiliser et après je clique sur OK pour valider. Je clique sur OK pour valider l'ajout de l'appareil. Comme vous voyez ici, donc il m'indique les paramètres ou bien les fonctionnalités du casque ainsi que la charge de la batterie du casque. Aussi ici c'est une option très importante, donc il faut toujours la cocher, donc télécharger via les connexions limitées. Donc ça vous permet, si le casque demande un pilote supplémentaire ou bien un pilote spécifique, donc ça vous permet de le télécharger automatiquement, même si vous êtes en train d'utiliser une connexion au début ou bien si vous êtes en train d'utiliser une connexion limitée. Donc ainsi vous ne serez pas bloqué. Donc ça c'est pour connecter votre casque Bluetooth, donc cette manipulation, et aussi pour y accéder à une prochaine fois. Par exemple, si vous voulez accéder à ce paramètre-là, donc il suffit seulement que vous allez sur la barre des tâches, donc tout en bas à droite. Donc tout d'abord, je vais fermer cette fenêtre. Donc ici, c'est... Je vais fermer tout d'abord cette fenêtre, comme ça serait mieux. Et après, ici, double-clic. Et bien sûr, la même fenêtre va être affichée. Donc, comme ça, vous pouvez y accéder pour ajouter d'autres périphériques ou bien supprimer ou modifier un périphérique existant bien listé. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à s'abonner, liker cette vidéo et je vous demande rendez-vous à la prochaine vidéo, à bientôt!